qui intègre les stalles, 990 mètres pour ouvrir cette sixième journée. C'est parti d'ailleurs pour cette épreuve d'ouverture avec Edge of the Sun sollicité, Carolina Reaper, il y a Trojan Quest, tout en dehors Fort McHenry et Seven Colors, Edge of the Sun à l'avantage sur Trojan Quest, alors que Fort McHenry sera à la corde dans le dos de Edge of the Sun, ensuite Carolina Reaper et finalement Seven Colors. Les chevaux s'approchent de la dernière ligne droite avec donc Edge of the Sun qui reste donc solidement aux commandes avec donc l'avantage sur Trojan Quest, Fort McHenry, Carolina Reaper, Seven Colors. À l'entame du dernier virage, il va lancer le sprint final da Silva. Edge of the Sun est parti avec Trojan Quest en pleine piste, Fort McHenry. Complètement à l'extérieur. Edge of the Sun se démarque facilement de ses rivaux. Une course gagnée. Avec aisance, simple formalité à Edge of the Sun devant Trojan Quest Fort Mac.